je le déplacement de caractère de ce cri de la nation haïtienne qui a protesté contre la ville que vous voulez mettre. Sénateur Maurice Charles m'a oublié qu'il y a de cela une dizaine d'années, où tu es dans la clinique avec nous, pour regarder qui je suis capable de donner une solution. Pourquoi c'était 2016, si nous ne manquons pas bail. Quand on a pensé jouer une solution, 2017, quand on a pensé jouer une solution qui sortit dans le camp peuple pour nous éviter la catastrophe ça, qui devine tomber sous la forme de ce pouvoir qui devine mettre griffes sur le pays d'Haïti. Sénateur, nous tenons pour nous dire peuple, parce que le peuple est au courant de démarche qui fait un sénateur pour Jean Charlie avec le docteur Lage, qui a fait voler. Sénali, parce que j'ai comme sénateur sud-est, que malheureusement, à cause de certaines incompréhensions et à cause de certains égoïsmes, bah, ça n'a pas passé. Parce que si formule ça a dépassé, probablement, on pensait qu'avant, nous avons l'autre solution qui t'a moins coiffé les ennemis de la nation. Deuxièmement, il faut dire que le destin fait les choses de manière curieuse. Il y a de cela une semaine, devant l'ambassade américaine, nous étions là, avec le peuple haïtien, et nous déposer des questions, nous demander, mais comment se fait-il que Barry Leader, dans la manifestation, le Mongrain, le sénateur Maurice Jean-Charles, qui était devant l'ambassade américaine. Il n'y avait que le docteur Lodge et le sénateur Maurice Jean-Charles, on peut dire, comme représentant de la volonté du peuple haïtien. Parce que tout, nous connaissons côté trois moments, côté trois papa. Ils sont là, ils ont dit, ils ont parlé, ils ont blabla, mais en réalité, nous connaissons côté quoi va mal. Et nous réjouissons que, encore une fois, le sénateur Maurice Jean-Charles répond au rendez-vous pour dire non à les familles qui viennent de se passer actuellement. Et qui ça a passé actuellement? Qui ça a passé actuellement? Mais actuellement, on a un pouvoir que nous connaissons déjà, qui va manquer de légitimité, ça, on va rien m'en. Mais ça que nous carrément mais comprendre, c'est qui côté nous gagner. Et bien, qui côté nous gagner, c'est très simple. Ou bien M. Kenyon va venir, et on va pouvoir coûter des centaines de millions de dollars qui vont sortir de la tête. Nous sommes les présidents Aristide démonté. Banque mondiale dit, on m'a levé, on m'a donné 28 millions. On sait maintenant beaucoup de temps que l'agence a débloqué. On a même un gouvernement qui va résister à rien. Mais on va pouvoir coûter l'argent sortir de la tête, il faut être soigné. On va compter les tout l'agence pour aider Haïti. Et bien pour qui ça? Et parce qu'on a besoin précisément. Que là, les Kenyans sont venus entrer, ou va attendre que nous-mêmes, n'y a pas de CDB Payo, ou attendre que Barayo ait décidé de sondage, il m'a envoyé des bases à sortir. Ou après, il y a un élément qui sortit, côté de sortir, et après 2%, 3%, 7%, hein? Et puis après, demain matin, le 7 février, le président d'Haïti, lui monte le 7 février, fin mois, on attendre lui-même, on lui a même ça que même. Non, mes meilleurs sont derniers cuivres qui sont mes meilleurs. Parce qu'on est en 2030, on nous connaît. Machine électrique a 80% de machines qui ont circulé sous la terre. Donc ça veut dire que cuivre a volé la guerre. C'est Michel de la Talaroué là, à côté du docteur Alexandre Marconnet, qu'on est fini. Et nous pouvons vite dire, à côté actuellement, pendant qu'il y a perdu 2 millions de dollars fait dans le carnaval, comment c'est abruni Saint-Michel de la Talaroué parce que pas qu'on dit les colombes, si vous pouvez une présentation de tomber, il y a mouru. Et par Eglon, qui connaît Saint-Michel avec lui, le docteur n'est pas qu'à traverser, le gars est des mounes et lui avec Gonaïve. Mais espérez parce que même si vous êtes à Gonaïve, avec Gomon, espérez pas qu'à ça. Donc c'est pour dire, qui ça peut passer, qui ça a vu, qui ça a eu pour nous? Eh bien, ça a eu pour nous, c'est que nous, même les présidents, ça a été monté, nous faisons moi, ni même. Ah, vive le travail, qui travaille, ça vous dit, ça a été minimum. Et puis pendant ce temps, il y a Nadji Boisé, qui est maire, il y a Nadji Boisé, qui est Michel de la Talaye. Après ça, il y a la KMG, qui en fait tout le KMG, tout le tout du nord. L'or. Hein? En pile l'or. Ah ouais. Parce que, monsieur, comment vous me connaissez? L'or a qui ça dit? Depuis 1971, que Richard Nixon a dit que l'or va être converti en dollar. Mais ça qui est actuellement, c'est que tout dollar où est qui a circulé à travers le monde, c'est des chèques sans provision. Oui. Et pour nous-mêmes, nous allons être passés, c'est que la Chine, tout le pays, ça va abuser tout le monde, il a racheté le produit du trésor.
Donc, il dit, il n'y a pas de dollars américains encore. On a même un directeur des mines, parce que les docteurs là, on a parlé, et puis pendant ce temps, il prend un caïman jusqu'à présent pour comprendre la caïman. C'est agent parrain national de la caïman. C'est pas moi, c'est agent Ariel Henry qui la caïman, qui est posé moi de la caïman. Donc, l'autre des. Il y a du oh oui, ceci, cela, bagaille, j'ai peut-être mis du bagaille l'eau, il y a très peu de l'eau, mais pendant ce temps, le docteur, et m'a cité nom, monsieur, le docteur Nassim, qui est le directeur de Canal 9, ou même qui connaissait nous-mêmes, ou qu'on Canal 9, son gros bagaille, à 9h du matin, monsieur dit que les plus importantes réserves d'or de la planète Terre se trouvent dans Haïti. Les plus importantes, oui, imaginez ça, ça y est. Tous qui sont liés là, les plus importantes réserves d'or de la planète. Donc, moi, et février, j'ai mes mères, après ça, j'ai tout dit non, oh, la bimba gava, qui travaille ça, nous même, ça veut dire que, il y a bientôt des contrats. Mais c'est quand même pas la voie là. On sait que nous, on va battre, oui. Parce qu'il y a déjà des contrats de carbonate de calcium et de carbonate de calcium miracouane. Il y a déjà des contrats et pétrole lagonade. Il y a déjà des contrats de gaz naturel hèche. Et tout le monde ça, comme vous voyez les petits dessins. Alors, moi-même, quand je parle à vous, arrière-grand-papa, arrière-grand-maman, c'était juste Jean-Luc qui était secrétaire des Salines. Et des Salines arrivent à dire, et les pauvres nègres, dont les pères sont en Afrique, ils n'ont rien. C'est-à-dire que pendant que tout le monde s'est venu, il y a plus de ratiboiser tout ça, il y a un baptême. Et les pauvres nègres, dont les pères sont en Afrique, ils n'ont rien. Nous sommes longtemps, les mères Jacques-Père. Et moi, c'est de l'histoire d'Haïti. Côté à côté, les Indiens, tout le monde, et puis quand ils ont dit, bye, colon. Et puis, colon, là, ils ont dit, bye. Après ça, un cercle que tu kidnappes en Afrique, tout le monde, ils ont dit, cycle, bye, colon. Et c'est dans le même bagage, ils ont dit, encore, soit accepté, vagabondage, ça va être passé là. Et puis, pendant ce temps, on s'est dit, c'est triste à dire, parce que moi, je ne vais pas cacher de ce que j'ai trouvé, parce que nous sommes aussi président de la Chambre de commerce. Mais c'est triste. L'autre des moussins de monde, des chambres de commerce, qui ont décerné Ariel Henry une médaille. Mes amis, en novembre 2023, ceci fait pitié. Ceci, c'est triste. On a dit, donc, il y a là. En 2004, il n'y a pas de problème non, avec le président ici. Il n'y a pas de problème. Mais mon Dieu, ça n'a pas de rien à voir avec ça. Ça n'a pas de problème. Mais donc, tout le monde est dans la vie. Oh, vous voyez. Là, il y a même le Chica. Bon, j'ai passé sous madame l'eau, bon, j'ai passé sous petit Joe, il n'y a pas de problème. Pour ça, parce qu'en réalité, ils ne sont pas vraiment les secteurs privés, ils sont des choses. Pas du tout pas bon, c'est pas fait. Il y a un pile là-dedans qui bon, quand travaille, nous ne pouvons pas cacher sous tout, nous ne pouvons pas cacher sous tout, mais il y a un pile là-dedans, il faut dire la vérité, ce sont des sangs. Qu'est-ce qui s'est capable de passer? Après, nous finissons tout du nord. Il n'y a pas les couilles même, la gonne n'a pas de pétrole nous, il n'y a pas de gaz naturel, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Alors, mon mine, tout le monde est capable de service, regardez le 14. Le 14, il y a de cela 50 ans, quand ça fait ma base à Haïti. C'est que on va avec un gros, un pêcheur qui a parlé, mais regardez le 14, mais pour ça, parce que il y a un chef d'État qui vont tout, et puis qu'on y a, bagaille sorti dans le mine, il y a mettre pour aider les pays. Mais ce n'est pas ça qu'on va passer ici. Ça va être ici, c'est le problème, c'est ratiboiser, il y a ratiboiser tout ça, nous rien. Et puis pour nous-mêmes, en 2054, 50e anniversaire de l'indépendance, on va pouvoir accueillir nous, c'est nous qui avons pris de l'argent pour mettre quelques bonheurs à la radio dans la rue pour nous célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance. Pour Diable Jean-Claude Saline, pour Diable Christophe, pour Diable Magloise, mais quand j'ai les deux ancêtres du docteur Lange, qui l'a gardé. Maintenant, ceci est le diagnostic. Mais pour nous, qui vient nous capables de ça parce que nous avons frappé. Ah oui, ça pour nous comprendre. Nous capables. Et le fait que vous, les journalistes, vous êtes là solidaires avec nous, le fait que nous sommes des patriotes qui déontables, qui ont critiqué Baïsa, Vladimir, les jeunes, tant que moi-même, qui là, qui capables sur Baïsa, livre dit que quelque part, l'esprit des ancêtres souffle sur nos têtes, que le Saint-Esprit souffle sur nos têtes, et que Dieu, le roi d'Israël, qui a créé notre patrie également, a soufflé sur nos têtes. Nous dit non au vagabondage, parce que ça qu'a fait là, c'est la lutte du bien contre le mal. C'est la lutte du bien contre le mal. Parce que pas oublier que même les gens qui voulaient venir nous, c'est eux-mêmes qui ont signé pour garçons mariés avec garçons, pour femmes mariées avec femmes. Et cette bagaille-là, nous. Alors, écoutez, qui ça nous a fait? Pas
oublié que le motif de conférence, c'est diaspora. Diaspora, je dis, moi, je ne parle avec nous, sommes anciens diaspora. C'est l'amour de pays qui fait mon Haïti, parce que actuellement, je ne parle pas là-bas, nous avons un contrat de plusieurs, de six chiffres capitaux aux États-Unis, parce que nous sommes de recherche aux États-Unis. Mais, nous sommes anciens diaspora, nous avons ça, à 4h du matin, nous avons pour un porte-bus, et puis nous avons tout glacé, parce qu'on va ouvrir le porte-bus. Mais nous travaillons. Nous travaillons. Si, les leaders de la diaspora, et là, on m'a parlé de leaders de la diaspora, on m'a parlé de Wycliffe, on m'a parlé de Dumas et Sinéus, on est qui a planté et dit lui pour dire pied à terre et consolé. Actuellement, M. Duvigny est le plus grand millionnaire du Texas. Et tout monsieur, et il y a l'autre encore des grands leaders parmi eux, on a parlé avec eux, qui ont député haïtien. Mais si on a loué M. Biden, et puis on dit M. Biden, comment ça passe? C'est normal pour un Ukrainien, et il y a un monde qui a un jeu de au centre, au moins, pour ça. Cependant, sous Chita pour Chita, c'est grâce à nous-mêmes qui les mettons au côté. Et moi-même, quand je parle à volant, je suis un cercle général Kangé, qui est blessé à la bataille de Savannah, boum, bon, et les bonnes. Merci. Et si, et où est actuellement? Si vous ne résistez pas contre les armées de Napoléon, la Louisiane n'aurait pas été américaine et M. Biden n'a pas roulé corps dans la poule. Donc, si que vous voulez continuer, je vais continuer, c'est que vous voulez la caille. Cependant, don't count on any Asian vote. Vous n'avez pas compter sur aucun vote haïtien. Mais pour nous faire ça, il faut que nous vraiment nous avons force qui a campé devant Dieu, qui nous dit Dieu, mettez le bagage. Parce que ce n'est pas vraiment ça qui va passer. Il y a deux bagages qui vont passer. Ou bien, il y a campé avec Nexa toujours. Et campé avec Nexa, je m'explique pour qui ça va arriver. Qui ça va arriver? Là, nous avons toujours tout uni, on a toujours les attaques, on a toujours demandé. Mais on ne va pas l'avoir là pour nous-mêmes. Ouais, la volage pour nous-mêmes, ou un gage, ou plage. Parce que nous avons tout l'eau pour nous-mêmes. Ou Haïtien va même gagner nos mains encore. Parce que nous avons tout l'eau même. Les scrims sont vrais. Ou bien là, il y a des droits soi-disant pour y aller, mais même lui, il m'a souhaité faire en 2004, il y a pour gauche la bonne, il y a pour l'autre gauche la bonne. Et nous le disons solennellement, devant vous les journalistes, mes frères et sœurs, nous pas d'accord pour nous sortir nos vagabonds, pour aller dans l'autre vagabond. Si sont l'autre gauche là, va parler pour nous. Si sont les banques mondiales ouvertes, Fonds monétaire international, qui a vu le remettre des pays en esclavage, on met fou dans le poche, parce que nous ne pouvons pas parler. Le peuple haïtien n'en veut pas. C'est la raison pour laquelle il y a deux travails que vous faites. Le travail sans la fait ici, là, vraiment, que là, nous parlons de l'ambassade, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada, l'ambassade de France, d'ailleurs, nous avons dit, monsieur Macron, je vois une chose, moi, 3 milliards, 4 milliards, 10 milliards de dollars pour l'Ukraine. Mais et là, j'ai des Haïtiens. Parce que pas lui, non, attention, nous avons 27 milliards de dollars pour nous. Parce que comme nous sommes dans la dette de bonnes personnes, nous m'avons dit parce que son revoir, votre fou dans la tête. Donc, nous avons espéré tout que Haïtien a fait grand et Haïtien en France. On va nous dire la paix, mais je sais exactement ce que je dis dans le chemin. Donc, grand combat pour faire au niveau de la diaspora, grand combat pour faire au niveau d'Haïti. Parce que, je dis oui, c'est un appel de l'ambassade, et bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et nous avons servi ça pour le président de la diaspora. C'est pas uniquement des radios haïtiennes et des télévisions haïtiennes qui nous coûtent. Nous avons besoin international pour nous. Nous avons besoin de CBS, CNN, Fox. Nous n'avons pas de problème pour que peuple américain, que nous n'avons pas de pièces de problème avec eux. Nous avons des problèmes avec la mafia qui contrôle le gouvernement américain. Mais peuple américain, nous n'avons pas de pièces de problème avec eux. Nous avons formé dans l'armée américaine. Et nous avons ces chirurgiens américains qui ont des bons skills pour faire certaines pratiques chirurgicales. Donc nous n'avons pas de problème avec eux, avec le peuple américain. Nous avons des problèmes avec la mafia américaine parce que nous ne sommes pas d'accord pour nous bailler l'or avec crime, avec l'idiome, qui est mal à nous. Même problème, nous avons. Donc, d'une part, diaspora supposée faire des machins, nous-mêmes, nous supposons continuer la mobilisation devant le président pour nous dire exactement de quoi il en sort. Et je lance un appel également à la police nationale d'Haïti et aux forces armées d'Haïti. PNH. FADH. Nous connaissons les éléments 5 familles. Les vagabonds, c'est vrai. Mais nous avons les éléments 5 familles. Donc, au nom du général Magor, moi, c'est le général Kangé, les ancêtres de Les Amines, les ancêtres du docteur, qui étaient campés à côté des Amines, on se lumineux le 1er janvier 1804, pour nous dire non à l'esclavagisme, non au colonialisme, oui
à la dignité, oui à la liberté, oui à la force du peuple haïtien. Nous allons vous réconcilier avec les vertus de l'armée indigène de 1803. Et même gens que militaires ont fait Niger, même gens militaires ont fait Mali, même gens militaires ont fait Burkina Faso, même gens militaires ont fait Gabon. Nous prenons responsabilité, nous, parce que nous, c'est rétablir l'ordre constitutionnel. Et rétablir pour l'ordre constitutionnel, ce n'est pas ce tchoul actuellement qui n'a pas aucun droit pour la tête du pouvoir, c'est un pouvoir de transition. Oui, Gabdo, une transition pas 40 ans sur notre transition, mais c'est pas vrai. La nouvelle transition est là. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de rien pour nous. Et c'est la raison pour laquelle la transition, ça a fini. Il supposait faire un cerveau au peuple haïtien. Et je suis très clair là-dessus. Premier bagage, le gouvernement ça a dit, c'est que il a été pris 4 mois pour lui rétablir la sécurité. Si après 4 mois, il n'a pas rétabli la sécurité, nous supposons aller devant l'international et puis nous dire exactement, nous ne pouvons pas rétablir et mettre telle raison, mais qui côté le bagage. Parce que, monsieur, on réfléchit. Insécurité, ce n'est pas ici créé. Le premier responsable de l'insécurité, c'est le gouvernement américain. Parce que, comment ça nous a dit? Comment ça nous a dit? Aux États-Unis. Comment les balles nous ont dit? Comment les munitions nous ont dit? Aux États-Unis. Et là, on vient en Haïti. Est-ce que ces zombies viennent avec eux? Est-ce que c'est pas la chute qui vient avec eux? Non. On finit par des rois. On finit par des rois privés. On finit par des rois de l'État, que ce soit dominicain, que ce soit haïtien. Là, aux États-Unis, on est capable d'acheter un 38, on peut acheter un 47, on peut acheter un 22. Mais ce qui est de armes automatiques, il a fini les réserves de l'armée américaine. Il faut en clair là-dessus. Donc, sans l'autorisation de la Maison Blanche, nous n'avons pas qu'à entrer en Haïti. Et nous redisons encore, sans l'autorisation de la Maison Blanche, nous n'avons pas qu'à entrer pour venir tourner en Haïti. Moi qui sorti dans la zone 4 feuilles, 16 000 familles, c'est dans la rue à bloc. Moun sa ou pa gen blok yo. Moun sa ou pa genye kote pou dormi. Yo pa gen kaman pou dormi. Moun sa ou pa gen kote pou fè toilet. Moun sa ou pa gen okun institisyon kap pote si pa ba yo. Moun sa ou pa gen kote pou manje. Genan ou ki komanse mouri chak jou. Apre 6 mwa, tout moun sa ou pa fè mouri oui. Et pas de monde faire tout, prudent, si nous pas camper ensemble avec nous, pour nous démasquer le gouvernement de facto, ça. Nous tous pouvons disparaître en bas misère, ça. Nous gardons depuis 5 mois, lycée, pas de professeur. La vie chère a vu augmenter. Et nous remarquons qu'on l'autre persécution qui est plus grave toujours. Seulement dans le pays, dans le pays où le monde, seulement dans le pays, il y a un demandant, en soi-disant, commissaire gouvernement, décerné, contré, on sait des militants, petite Dessalines, avec un pilote structure politique. Quand un demandant, pendant que je parle avec nous dans le monde, prison, dans tous les quatre pays, il y a plein. Prisonnier, non seulement dans le village qui est prisonnier politique, mais en plus de l'autre côté, plein prisonnier politique. Est-ce qu'elle a arrêté pour nous garder ça? Le monde, si son bagaille nous fait États-Unis, c'est pour nous dire ce que ça nous fait. Est-ce que c'est pour être demandé sous des mains et nous faire nous passer de ça? Est-ce que c'est parce que nous avons pression si ça fait nous passer de ça? Eh bien, Dessalines te dit, là il n'a pas de naïf, 1er janvier 1804. Il te dit non, combien de pays qui viennent de nous pour l'indépendance du pays? Zéro. Combien de pays qui peuvent venir jouer l'indépendance? Nous, oui, c'est signé Philippe, c'est Égyptien, c'est Américain, c'est Français, c'est. Qui est-ce encore? C'est Canadien, qui est-ce encore? Ok, ça dit, je veux une indépendance en même. Où est-ce que tu as? Abrité. Ou bien nous vivre, ou bien nous mourir. Si Haïti paradis pour nous, il faut le paradis pour nous tous. Si l'enfer pour nous, il faut qu'il foute l'enfer pour nous tous. Oui. Oui. Ça veut dire, nous décidons pour ne pas mettre les gains. Tout ça qui est passé, nous, il est passé. Mais
pour retirer tête dans Zanila yo dit. Ou ça qui passé tout temps à elle en parler. Mouvement n'a fait pas camper. Conférence n'a fait pas camper. Allez devant ambassadeur pas camper. Allez devant ministère pour faire pas camper. Eh, banque pas le point, c'est notre parole de semaine. Bougeons pas le point, c'est notre parole sur où t'as un pouvoir. Non seulement devant un pouvoir, mais pour nous camper tout devant business qui sont où t'as un pouvoir pour nous démasquer dans le pays. Merci à vous. Nous devons nous parler dans la conférence. Merci Léonard. Docteur Lage. Si t'as besoin de la couille. Actuellement là, oh, c'est vrai. Bon, je vais me saluer tous les journalistes. Ça, ça me demande. Je vais suivre Internet, Internet, les nations médias, les gens. J'ai besoin de 4 téléphones. J'ai besoin de payer mon pour une conférence. Si vous voulez faire une vue, ce qui passe dans le pays, nous demandons de supporter les médias. Président, je vais vous dire que vous avez besoin de la cour. Et attention, si ça va pas mettre un monde avec ZAM pour empêcher nous de se guider, oui. Ou à quoi on est malade. L'autre semaine, c'est un chevalier, un niveau camaïtien, oui. C'est tout partout. Dans tous les quatre pays, il y a un danger. Camaïtien, il faut faire un faisceau. L'idée politique, comment invite nous. Mettez tête ensemble. Pour nous faire un véritable fond commun. Mettez pieds à terre. Pour nous démasquer mon saillot. Parce que nous ne sommes pas assez potables. Camaïtien, nous démasquer. Il faut qu'on sache qu'il a, pour nous prendre pays, pour nous battre pays dans notre cap. Et cap, intégrité nationale, dignité nationale, souveraineté nationale, autodétermination, c'est lui qui ligne, c'est lui qui défend. Et c'est ça que je dis, je dis devant la presse, nous parlons avec tout le pays dans le monde là. Mais nous parlons de l'ennemi. Et États-Unis parlent de l'ennemi. Mais ça l'a fait nous, il parle de l'ennemi nous. Et c'est pour ça même nous demandons pour nous États-Unis dehors dans le pays, parce que c'est eux-mêmes qui ont pu. Merci. Merci la presse. Oui, Jean, est-ce que vous avez retenu pour une nouvelle mobilisation? Écoutez, dans la question de mobilisation, nous avons une affaire de l'Isia. Mais nous parlons de soldats au bois. Nous parlons de l'emploi de l'ambassade américaine. Est-ce que vous avez date? Non, réunion fait après-midi. Réunion fait après-midi. Nous parlons de même que nous commençons à nous parler. Nous parlons de l'Isbouloir. Nous parlons de l'emploi de l'ambassade américaine. Nous parlons devant l'ambassade américaine encore, nous parlons devant l'ambassade Canada, l'ambassade de France. Et qu'on y a, nous allons le faire. On va le faire. Nous parlons de ce que nous jouons comme support à l'aide. Et là, nous finissons, nous allons demander à l'Aïtien, qu'il y ait un point type comme il y a besoin, parce que nous allons faire un point de banque. C'est tout ça qui mettait nous dans une situation mal, nous on a vu là, nous avons avec nous cette fois-ci. Vous faites bien. Ouais, cette fois-ci. Ouais, cette fois-ci. Nous n'avons pas eu vos côtés. Nous n'avons pas déclaré que vous pouvez faire dans le pays. Tout ça pour nous contrer les États-Unis. Tout ça pour nous contrer l'Occident. Tout ça pour nous contrer le gouvernement de facto. Et après midi, on n'a pas le faire. On n'a pas regardé. Est-ce que nous pouvons camper devant eux pour qu'on aille rentrer dans le pays? C'est tout ça qui est possible de faire. Dans la réunion, nous allons le faire 5 ans. Nous allons le rendre toute décision nous prenons devant le grand public. Et nous allons le faire devant les journalistes pour nous dire bien agenda nous. Mais ça nous vient comme activité. Pour démasquer l'Occident, pour démasquer l'Occident. Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a de poser plainte contre US Rice et... Devo qu'est-ce que ce soit de poser plainte? Rice Corporation. Oui, devo qu'est-ce. Deuxièmement, il y a un sanglier en pile institution en tout cas nous avons parlé avec nous sur le plan local mais sur le plan international devant toute institution qui en dans l'ONU nous parle de poser plainte. Et je dis toute institution qui regarde les questions de commerce tant qu'on date, nous pouvons voter plainte en pile devant le tribunal international. Nous pouvons voter plainte non seulement contre l'Age Corporation, nous pouvons voter plainte contre Chaco, nous pouvons voter plainte contre Djiriboul, nous pouvons voter contre Renaud Bongou, Djiriboul Bongou. Tout qui est encore l'État, l'État. Et puis ça n'a rien à voir avec la démocratie. Tout ça, toute institution qui a été due aux États-Unis, qui est en train de venir en Haïti, nous avons déposé plainte.
Et au niveau international, tout, on a déposé plainte. Parce que c'est un crime contre l'humanité. Les États-Unis font nous là avec un des Haïtiens, soit des Haïtiens qui prennent plaisir à le ramasser saloperie du riz qui ramène les États-Unis, ils viennent manger en Haïti. Du riz qui est consommé aux États-Unis, c'est pas le riz qui est en Haïti. Et nous-mêmes, nous pouvons minimiser ça et nous prenons responsabilité nous pour que nous, non seulement nous devons se gagner en riz, mais toute grosse institution, tout le monde qui est dans le commerce, qui a entré avec Dieu en Haïti, tout le monde sait, n'a pas déposé plein de côté. Peuple haïtien, c'est ton plaisir de nous débattre avec nous parce que, parce que la fin carré, nous avons dit, parce que la fin carré, parce que c'est décidé, nous c'est décidé pour ne pas mourir dans cette année-là. Peuple haïtien, nous devons nous débattre avec nous. Le comité de sécurité patronale, rencontrer la presse matin, pour l'autre fois encore, dresser un bilan désastreux, catastrophique. Fami myo, zami myo, kit ou an province ou Port-au-Prince, kou a l'étranger, quel que soit kotouye nan pays dans le monde, an ben asile ou avec ke biye fo pa ou, nou entre la kayou nan minute si la. Quel que soit sa ka passe nan pays d'Haïti kou a l'étranger, an ben avec ke biye fo pa ou, asile ou ki ou gen yon information de bonne source, sans wete, sans mete. Nou se ke biye fo pa ou.